Bonjour à tous et bienvenue sur Bassin People TV. Alors aujourd'hui, je reçois un peu un homme orchestre du showbiz. Il fait de la radio, il est journaliste, il fait de la télé, il fait du théâtre. C'est monsieur Raymond de la Rua. Salut Raymond, tu vas bien? Bonjour, bonjour à tous. Mais je vais bien, oui. Ça va, je vais bien. Bon, tu m'as fait peur, tu ne me réponds pas. Non, ça va très très bien, Thierry. Non, mais je suis surpris parce que bon, mais c'est la première fois que je suis interviewé par quelqu'un que je connais bien. Ah et oui, voilà, oui, donc oui. Ça fait drôle, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on bosse ensemble. Ben oui, ouais, ouais, j'ai le plaisir de t'accueillir sur les infos. Ouais. Sur les infos Jojo. Et bon, et puis on se voit même en dehors. Oui. Parce que on peut le dire là, peut-être, tu fais des soirées spéciales, tout ça. Donc. Non, du tout, c'est pas vrai. Bon, alors Raymond, tu as commencé dans ce métier, tu as commencé pourquoi? Par quoi? Parce que d'abord, tu as été restaurateur, tu as eu des affaires qui ont été connues sur la région de Bordeaux et tout ça. Donc, tu as commencé par quoi? Par le théâtre, par la radio, par le cinéma? Par quoi tu as commencé? Alors, j'ai commencé par le journalisme. Par le journalisme? Le journalisme sportif. Ah oui. J'étais journaliste sportif. J'ai touché un petit peu à la politique, mais ça m'a occasionné quelques déboires, donc j'ai laissé tomber la politique. Parce que j'étais ni de gauche ni de droite, mais j'étais surtout de droite, alors ça allait pas, tu vois. Et non, en fait, non, je suis. Et puis je suis reconnu pour ça, je suis apolitique. Parce que si je devais me définir, je suis un socialiste de droite, si ça pouvait exister. Parce que j'ai le comportement d'un socialiste. Et puis je suis content de ne pas parler allemand, donc je suis un petit peu gaulliste sur les bords. Donc voilà pour la partie politique, mais en fait je m'en fous, je leur laisse. La partie religieuse, bon, j'ai lu la Bible, je l'ai lu plus de fois. Compris. Ça m'a pas... la mer qui s'ouvre, tout ça, la multiplication des petits pains, tout, alors que les boulangers n'ont même pas porté plainte. Ouais. Ça m'a... ils auraient dû. Ni les poissonniers d'ailleurs, voilà. Non, je plaisante avec tout ça, mais en fait, c'est vrai que je laisse ça à plein de gens qui, à travers des associations, s'en occupent. Non, moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, aux grandes dames de ma famille, de mes parents, et voilà. Donc le journalisme sportif pendant quelques années, et puis des relations, des connaissances. Chez alors, tu sais dans quoi? Dans des magazines? Alors, je travaillais pour France Foot, pour l'équipe un petit peu. J'ai même eu un deuxième prix Citron. Le prix Citron. Et le prix Citron, c'est le prix qu'on décerne aux meilleurs journalistes. Parce que Citron Presse... Citron pressé. Sans doute à cause du jeu de mots. Et j'avais écrit un article sur un grand monsieur du rugby, régional d'ailleurs, d'ici, de Bègle, plus précisément, qui s'appelait Bambi Moga et que j'aimais beaucoup, et qui a beaucoup fait pour le rugby. Et voilà, j'avais écrit un article qui avait touché les gens et... J'avais eu donc ce privilège d'avoir un prix décerné par mes confrères. Voilà. Donc journaliste sportif, et puis le hasard des rencontres fait qu'un jour on a envie de toucher à autre chose, donc j'avais touché un petit peu à la radio. Alors la radio, parce qu'on va y venir, parce que les affreux Jojo, maintenant ça va bientôt faire 2 ans que ça a été repris. Ouais. C'est une émission qui a cartonné il y a quelques années. Et qui maintenant revient sur le tapis. On est à plus de 1 700 000 auditeurs au jour d'aujourd'hui. 1 700 000, ouais. 1 700 000 en même pas 2 ans, ce qui est énorme. Alors, ta rencontre avec les affreux Jojo, parce qu'à cette époque-là, c'était Thierry Boeuf et Bernard Buffet qui avaient créé l'émission. Alors, Thierry Boeuf qui était à Radio France et qui aujourd'hui est producteur pour France 2, avec pour France Télévisions. Et Daniel Buffet qui était directeur de Radio Campus. Et école formatrice qui d'ailleurs a formé Stéphane Bassé, Bernard Montiel et Julien Courbet et quelques autres. Et Christo Larocque qui a été à Sud Radio. Moi-même. Tonton Cristobal à l'époque. Ouais, qui faisait l'émission Tonton Cristobal et les Christofolies aussi. Un spécialiste du vinyle. Hein. Mais en fait, un spécialiste surtout de la radio. Quoi. Et puis des hommes d'humour. Quoi. Ce sont des gens qui ont de l'humour à longueur de journée, et puis c'est bien, c'est une bonne chose de vivre avec ça comme carburant, hein, au lieu de vivre avec le négatif. Moi je pense qu'il vaut mieux vivre avec le positif, et puis après le savoir de Marseille, je crois que le rire est le propre de l'homme, on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, l'émission était tombée en sommeil après avoir cartonné, comme tu l'as dit, sur 8FM. Comment t'es intégré cette émission à l'époque? Parce que je crois que t'avais un restaurant au Capucin. Alors, au Capu. C'est l'histoire. Moi, je suis né au Capucin. Voilà.
Bordeaux, les Capucins, pour ceux qui connaissent Bordeaux, les Capucins, c'est un peu l'endroit chaud de Bordeaux. C'est Léal. C'est l'endroit où aimait aller Jacques Chaban-Delmas, les joueurs de rugby, parce que quand on sort de boîte à 14h du matin, les Capus ouvrent. Et comme on connaissait beaucoup de monde, on allait toujours manger un bout de rillette, un bout de saucisson, et boire un verre de rosé. Ça tombait plus à l'époque. Hein. Ouais. Et donc, né au Capucin, un jour j'ai trouvé un établissement, parce que j'avais envie de faire un petit établissement qui pourrait s'appeler le Café des Artistes. Bon. Donc j'ai repris un restaurant au Capucin, et je l'ai baptisé le Café des Artistes. Mmh. Seulement, comme moi, je suis comme un certain Thierry Alonso, je ne sais pas si tu le connais, j'ai un cœur énorme. J'avais beaucoup de dépenses, je n'avais pas de recettes. Alors c'est vrai que quand on recevait Pierre Palmade, Florent Pagny, Bernard Lavilliers, tous ceux qui pensaient à un concert à Bordeaux, en plus, c'est un ami qui se donne le mot, tu vois. Ouais. Donc ils arrivaient à 1h du matin, et après leur spectacle, et puis ils rebouffaient quoi, une entrecôte avec des champignons ou des tricandilles, enfin, des spécialités. Alors comme je ne savais pas faire cuire un œuf, j'avais un cuisinier, puis deux, puis des serveuses. Alors comme les serveuses étaient de plus en plus jolies, ils voulaient de plus en plus venir dans le resto. Et donc ça marchait bien, il y avait tout le temps du monde, mais personne ne payait. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Et bien ouais, quand ils me demandaient la note, je disais, c'est bon. Et je pensais que ça me fait venir du monde en dehors, tu vois. Ouais. Mais en fait, ça faisait venir que des artistes. Ouais. Alors, j'avais pas d'artistes. Et un jour, il y a Bernie, mon voisin, qui est arrivé. Il jouait avec Trust à la Barbet School, à la salle Barbet, pas trop loin du resto. Ouais. Et ils sont arrivés à 1h du matin. Est-ce qu'on peut manger? Mais vite fait, parce que dans la route à faire, ils avaient leur minibus devant la porte. Mais je leur dis, il n'y a pas de problème, et puis il y avait plein de fans qui tapaient à la vitre et tout, on avait fermé pour eux. Et ils étaient très pressés. Et c'était un samedi soir, et j'ai des photos, un jour je te les montrerai, parce qu'on a encore pris des photos le mardi soir. Ils étaient encore là. Du samedi soir au mardi soir, ils dormaient sur les banquettes, ils dansaient sur le bar, ils ne voulaient plus partir. C'est pas vrai. Bernie Bonvoisin et le groupe Trust, qui est un groupe légendaire encore là. Donc des anecdotes comme ça, on a plein, Patrick, Sébastien, bien sûr, et puis plein d'autres qui sont venus au Café des Artistes. Et puis un jour, l'angle de rue a été à vendre. Alors j'ai dit, bon, pour rentabiliser le Café des Artistes, on va ouvrir une brasserie jour et nuit. Mmh. Et là, on recevait les clients, jour et nuit. Ce que je ne savais pas, c'est que la nuit, les gens qui ont 4 grammes, qui sont en col blanc, avec des casquettes à l'envers, ou même avec des képis, mais je suis très personne. Hein. À 4h du matin, avec 4 grammes, tout le monde, joue les emmerdeurs. Tout le monde, on est tous chiants dès qu'on a un pet dans le nez. Et donc, comme on avait des portiers des boîtes qui venaient bouffer, il y avait des flics, il y avait des artistes, c'était le lieu de rendez-vous. Alors on a ça découvert, on en faisait plein. On gagnait de l'argent, il y avait aussi quelques il fallait mettre un peu d'ordre, quelques disputes. Mais enfin, 22 ouais. employés, c'était compliqué à gérer, tout ça. Et puis bon, je ne pouvais pas travailler jour et nuit. Je ne pouvais pas travailler du tout d'ailleurs, je n'avais pas envie. Donc c'est barré un petit peu en sucette, j'ai revendu et puis voilà. Mais j'avais eu le temps dans les deux dernières années de faire un petit théâtre en dessous où j'ai commencé à faire mes armes. Et dans le Café des Artistes, on ouvrait plusieurs jours par semaine. Ouais. Et des jeunes, alors c'est drôle parce que des jeunes venaient s'essayer à la musique. On avait mis une mini-scène, on faisait scène ouverte. Donc ceux qui voulaient faire écouter leur truc, il n'y avait pas l'internet à l'époque pour mettre sur YouTube. Ouais. Ils venaient, c'est ainsi qu'on a eu Raoul Ficelle, c'est ainsi qu'on a eu Les Têtes Raides, c'est ainsi qu'on a eu Zebda avec une cassette. Tu te rappelles des cassettes, toi, t'as quand même oui, oui, oui. Ils sont venus avec une cassette et ils nous ont fait écouter la cassette. Eh bien, est-ce qu'on peut jouer jeudi soir chez vous? Parce qu'ils savaient qu'on était scène ouverte. Donc Zelda est venu jouer un jeudi soir devant 6 personnes, dont mon beau-frère. Tu vois, c'était vraiment le café à la parisienne. Et,
Et alors après, quand on apprend que les têtes raides, que Zebda, Raoul Ficelle ou Bertrand, ou Bertrand Cantat, ou Brigitte Fontaine qui est venue, après, quand tu vois la carrière qu'ils font, oui. comment il s'appelle Arthur Hache, oui, qui venait également chanter chez nous. Donc voilà, c'est quand même une satisfaction personnelle d'avoir connu tout ça. Voilà. Alors, les Affreux Jojo, ils sont, comment tu es arrivé dans cette émission? Alors, comment je suis arrivé dans cette émission? Ça a fait un carton déjà à l'époque, ça cartonnait, c'est sur 8 FM. Ça c'était sur 8, alors j'avais ouvert 8. Ce restaurant donc, et ils arrivent un jour le lundi. À l'époque, j'écrivais moi des histoires pour Rire et Chanson, au début de Rire et Chanson, le début des années 2000, quoi. 1995, on va dire. 1995, je ne me trompe pas. Parce que moi, je suis passé, j'ai quitté l'euro, tout ça. Je suis toujours à sesterce, vous savez. Hein, je ne sais pas trop. Ils sont arrivés. Daniel Buffet, Freud, qui travaillait à 8. Fildo, qui était tout jeune. Fildo. Ouais. Qui était Christo, qui était déjà pourri. Daniel Buffet, après, ils arrivent. Et ils me demandent l'autorisation d'enregistrer l'émission dans le restaurant. Je leur dis que oui. Donc je leur dis à condition que ce soit le lundi, parce que les autres jours, et ça tombait bien, le lundi c'était relâche, donc on n'avait pas. Ouais. Et ils arrivent le lundi soir, et ce premier lundi, eh bien, on avait les déchiens qui mangeaient là. Ah oui, excellent. On les déchiens. Bien sûr. Donc ils ont fait quelques apparitions à la table, on enregistre l'émission. D'abord ils arrivent, ils s'installent, ils mettent 5 micros, et ils sont 4. Ils s'assoient, et Daniel Buffet lance, et il dit... Ben écoutez, on a un invité ce soir spécial, puisqu'il s'agit de Raymond, le patron des lieux. Et il m'a demandé si je voulais raconter une histoire. Et je me suis assis, et tu vois, 20 ans après, je suis toujours assis à la table. Et donc, ça a démarré comme ça. Un jour, les dirigeants, Frédéric Courtine et Alain Maillard, sont arrivés, dirigeants de WIT, et m'ont annoncé que je faisais partie des Afro Jojo, ouais. Et m'ont remercié d'accueillir les Afro Jojo. Donc on enregistrait tous les lundis, c'était une fois par semaine, donc on était quand même plus près de l'actualité, mais en fait ça a toujours été une émission en ce sens, c'est-à-dire une émission d'humeur, la déconne, complètement apolitique, complètement religieuse, on ne parlait pas de tout ça, on s'en foutait, et mais tu la connais aujourd'hui, toi, eh bien dis-toi une chose, c'est qu'il y a 15 ans c'était la même. Voilà. Ouais. On arrive, on s'assoit, on rebondit sur des sujets, la question insolite de Christo, etc. Ouais. Voilà. Seulement, il n'a pas actualisé Christo, toi. Il nous pose toujours des questions du siècle dernier, parce qu'il a éteint la lumière, lui, là, il y a 20 ans. Donc, voilà. Mais en fait, c'est un excellent élément des affreux. Et puis, alors, pourquoi ça marche, j'en sais rien. On a Olivier Lejeune, un jour... est venu, et puis Denis Scherrer, qui venait chez moi, Anne Roumanoff, qui venait de temps en temps me rendre visite, et puis quelques autres amis, comme Tex, Patrick, Sébastien, chaque fois que je les rencontrais, pourquoi tu fais plus ton émission, c'était marrant, c'était drôle, etc. J'ai dit, il faut le refaire. Il faut le refaire, donc j'ai rappelé quelques vieux, qui vivaient encore, et il y en a qui sont morts, mais ils ne le savent pas, et... Donc j'ai rappelé notre ami Charles-Édouard, Daniel Buffet, Thierry Boeuf, mais il ne pouvait pas venir parce qu'il était sur Paris. Freud était trop lié avec Radio France, il n'était pas contre Radio France, ce n'était pas possible. Donc Christo est arrivé, Fildo qui entre-temps avait quitté 8FM, s'était installé en tant qu'agence de son, avec des jingles et tout. Et c'est une des meilleures agences de France, agence Tout Mix, c'est recherché, je ne savais pas d'ailleurs, mais c'est vraiment un gros truc maintenant. Fildo. Ouais, Fildo, Philippe Domingue, et je lui ai demandé de venir réaliser l'émission, puisqu'il a réalisé déjà à l'époque, et il est venu la réaliser. Et à la baguette, c'était donc Daniel Buffet, oui. que tu as connu, puisqu'il est arrivé tout de suite. J'ai fait le pilote d'ailleurs. Tu as fait le pilote avec Olivier Lejeune. Marianne Sergent, Patrick Adler et Denis Scherrer. Voilà. Donc on a fait le pilote au Casino de Gujan, on peut le citer. Oui, bien sûr. Voilà, et très très bien accueilli, très très bien reçu. Et puis ce pilote, on l'a envoyé à quelques radios.
Et les radios ont répondu présent, ils m'ont dit, ouais, l'émission nous intéresse. Alors, j'ai demandé à Fido, à Christo, etc., à toi, si vous étiez d'accord pour qu'on la relance. Je ne savais pas que ça durait aussi longtemps, parce que financièrement, c'est lourd. Ça va faire 2 ans. Hein. C'est lourd, ça fait 2 ans. Ça fait deux ans. On fait venir des gens parisiens, bien évidemment, comme Daniel Gilbert, Fabien Lecoeuvre, Tex, Francesca, Gustave Parkin, Fiona, Julien, Marie Monroe, la mère aussi. Marlène Moreau. Marlène Moreau. Il y a eu beaucoup. Ouais. Bon, des invités à chaque fois, mais pas forcément des invités qui ont une notoriété. Parce que c'est pas ça le but. Des talentueux aussi, ouais. Mais voilà, on découvre, notamment dans les chanteurs. Ce qu'on appelle nous en matière de radio, des bons clients. C'est ça. Voilà. Il paraît que moi je suis un bon client pour les interviews. Hein. On me pose une question, c'est vrai. Tu me demandes l'heure, je te dis où j'ai acheté la montre. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, je vais me reposer 5 minutes, je vais laisser terminer. Et alors, Olivier est là aussi, notre ami. Olivier, le fils de Patrick Sébastien. Ouais. Donc voilà, tous ces gens qui ont répondu présent. Et on a balancé ces émissions, donc à chaque fois, bon, c'est jamais la même, elles se ressemblent toutes, parce que c'est dur de faire de l'humour sans parler de politique, de religion, de racisme, etc. C'est bien dosé quand même, c'est pas racoleur, on va dire, voilà. C'est pas racoleur, c'est le mot. Et donc chacun a trouvé sa place dans l'émission, et c'est une bonne chose. Donc, pour des raisons de santé, Daniel Buffet a quitté le navire, et Fido a pris les manettes, oui. Et c'est Karl qui réalise l'émission, oui. Et puis ça marche, je crois. Voilà, on enregistre aujourd'hui, on est le 5 décembre, là on a su il y a quelques jours qu'on avait dépassé les 1 700 000 auditeurs. 1 700 000 auditeurs à travers 73 fréquences. Beaucoup, hein. Sans avoir démarché l'entremontier de la qui France. Qui nous écoute tous les jours sur toute la France, quand même, sauf le week-end. Hein. Et alors, les radios web, alors il y a une radio web, c'est drôle, parce que nous, on disait, bon, les radios web, tu penses, personne ne les écoute. Mais eux, par contre, ils ont des résultats à travers les clics. Ah oui. Et il y a une radio, je l'ai citée, elle s'appelle Radio Banco. Je ne sais même pas où elle est d'ailleurs, parce que radio web, elle est dans le monde entier. Hein. Elle nous a envoyé les clics. C'est la France des jeux, ça, non? Elle nous a envoyé les clics, je ne sais pas. C'est l'ancien joueur de rugby, Serge Banco. Ah, il y a aussi, oui. Ouais. Et donc, il nous a envoyé les clics. Et on a 1040 clics sur l'émission, ouais. En France. 300 et quelques en Belgique, 200 et quelques au Canada. Enfin, dans tous les pays francophones, il y a des clics. Ouais. Mais on a aussi des clics au Mexique. Alors, 3. En Arabie Saoudite, 2. Tu vois, un peu partout. Et on a une autre radio qui est en Suisse, qui s'appelle Génération FM, qui elle a 16 000 clics. Elle a 16 000 clics sur l'émission. Donc c'est vachement intéressant parce qu'il y a plein de radios web qui fleurissent un petit peu partout. Mmh. Et donc la bande FM pour les autoradios, le web pour ceux qui pratiquent régulièrement Internet. Il faut dire aussi que la radio. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte de tout ça. La radio, les 2 dernières décennies, ne faisait plus de radio. Toute la bande FM faisait de la musique à news. Oui. Parce que ce que j'appelle, moi, les jeunes, les casquettes à l'envers, ils écoutaient la bande FM parce qu'il y avait de la bande musique. Mmh. Aujourd'hui, les jeunes, même s'ils écoutent toujours un petit peu la bande FM, oui. Et les stations de musique à news, ils téléchargent leur musique, oui. Sur Internet et ils ont des trucs qui se greffent dans la tête et ils écoutent leur musique, la musique qu'ils ont envie d'écouter. Donc les radios dites locales, les radios de proximité, ont tendance à revenir vers des radios généralistes, c'est-à-dire des radios avec de vraies émissions. De vraies émissions et puis des nouvelles un petit peu de locales. Si tu veux, le FGL qui est une radio des Landes ici, oui, le département des Landes, numéro 1, elle est numéro 1 dans son département. Eh bien, tout simplement parce que dans les Landes, il y a beaucoup de clubs de rugby, ils parlent beaucoup de rugby, et les gens ont envie de savoir si le loto des pompiers va avoir lieu dimanche dans la salle des fêtes, si le pilier gauche de l'équipe de rugby va jouer. Ils ont envie d'avoir des nouvelles locales, parce que quand ils rentrent chez eux, ils allument la télé, Sarkozy, Troscan, ils l'ont.
En ce moment, c'est plutôt cœur. Copé et Fillon, mais ça, ça... Copé et Fillon, il y a Zig et Puce, il y a Clavette et Boulon, il y a plein de couples comme ça. De... Bon, une autre question ? Oui, bien sûr. Alors, bien sûr. Alors après, on va parler d'abord de télévision, parce que tu as tourné dans beaucoup de séries. Tu en as fait, je crois que tu les as toutes faites, non, plus ou moins. Ah mais toutes, non, j'en ai loupé une. Oui, la Brocante, Section de Recherche, Famille d'accueil, je crois que tu as joué pratiquement dans toutes. Ah oui, SOS 18, Les Sauvages et les Moissons, Famille d'accueil, tu l'as dit, Louis la Brocante, ouais, Section de Recherche, je sais pas. Si on, si on regarde, si on regarde sur, sur ta bio, c'est impressionnant le nombre de séries que tu as. Alors ça, c'est venu comment? C'est venu après la radio? C'est venu pendant entre la radio. Les deux, pendant, en même temps. Vraiment. C'est venu pendant la radio. Un jour, on a pris l'habitude d'inviter. C'est moi qui avait lancé ça. D'ailleurs, on le réitère aujourd'hui lors des enregistrements, d'avoir des invités pour savoir ce qu'ils ont à dire, pour parler un petit peu de leur promo. Bon, et puis voilà. Et donc, j'avais invité ce jour-là François Brincourt, qui était de la Comédie Française et qui était sur Bordeaux pour le tournage d'un film avec Bernadette Lafont, je ne sais pas quoi. Ah oui. Je l'avais invité donc à l'émission, il est venu, et il me dit, il faut que tu fasses une audition avec Victor Lanoux, parce que tu, il est en train de chercher un personnage, quelqu'un une personnalité. Voilà. Ah oui, oui. Quand on te dit tu as rendez-vous avec Victor Lanoux, qui ressemble un peu à Gérard Jugnot, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a un faux air quand même. Alors, tu veux que je te raconte une anecdote là-dessus? Ouais, vas-y. Je me fais arrêter par, comment ça s'appelle, parce qu'on est à la télé quand même, la police. On me demande mes papiers et je ne les ai pas. Et c'est moi qui conduis. Et le gendarme me dit, mais j'avais une casquette et j'avais la barbe et des lunettes noires en plus. Il me dit, mais vous êtes Gérard Jugnot. J'ai dit, non. Ah, il me dit, si, vous êtes Gérard Jugnot. Et je lui dis, non. Bon, enfin, ça passe. Et je lui dis, j'ai pas mes papiers. Je lui dis, par contre, mon ami à côté, Alessienne, donc vous allez nous identifier. Elle donne ses papiers et mon ami s'appelle Fanny Jugnot. Ah oui, Fanny, bien sûr. Alors, donc, il regarde les papiers. Il voit Jugnot. Ah, il me dit, voyez. Fanny qui s'occupe très bien des Affreux Jojo. Ouais, qui s'occupe de l'administratif des Affreux Jojo. Et donc voilà, une anecdote. Bon, le gendarme est rentré chez lui en disant J'ai arrêté Gérard Jugnot, il en est persuadé. J'ai jamais pu le dissuader. Donc voilà. Donc la ressemblance avec Gérard Jugnot s'arrête là parce que j'ai pas son talent, malheureusement. Et donc la rencontre avec Victor Lanoux a fait que j'ai joué sa pièce à Victor. 80 fois, ça s'appelle le tourniquet, c'est un huis clos sur deux mecs. Alors, le théâtre, on va venir après. Alors que, donc, tu as eu beaucoup de. Donc, tu as tourné dans beaucoup de séries, d'ailleurs, tu continues régulièrement. Je sais qu'encore, tu as tourné il n'y a pas longtemps la session de recherche sur TF1 et Dominique Lancelot. Tu continues encore et toujours. Tu as fait quelques films aussi pour le grand théâtre. Alors, en fait, ouais, c'est venu comme ça parce que. Ça a démarré par le cinéma avant. Le théâtre avant. J'ai joué au théâtre. Alors, le théâtre, je voulais terminer par le théâtre pour enchaîner sur l'actualité. Mais ça va rien. Mais ouais, mais voilà. L'enchaînement, tu le reprendras après. On le reprendra après. Et puis, théâtre, tu te démerdes, c'est ton émission, c'est pas ça, la mienne. C'est ça. Alors, et en fait, j'étais en train de jouer au théâtre à Bordeaux et une dame a demandé à venir me rencontrer dans ma loge. Et j'ai regardé par une inconnue de la porte voir qui était la dame. C'était une belle brune. Ça aurait été un gros avec des moustaches, j'en serais pas là aujourd'hui parce que j'aurais refusé. Mais c'était une belle brune et c'était Anne Lafosse, la fille d'ailleurs de Robert Lafosse qui dirigeait Sigma à Bordeaux. Parce qu'à Lafosse, les fenêtres. Ici. Sigma. Enfin, Sigma, le cinéma, oui. Et j'ai vu Lafosse qui devenait. Elle était sceptique, Lafosse sceptique. Et. tu m'enlèves. On n'est pas aux Affreux Jojo, monsieur. C'est bien Raymond de la rue. Hein. Et donc Anne m'a demandé si je voulais tourner dans un film. Voilà comment je suis arrivé au cinéma. Il se tournait à cette époque-là, c'était en février, un film qui s'appelait Sherpa. Et, Sherpa, c'est pas cher. Non, Sherpa, c'est je crois que c'était le premier titre, mais je ne sais pas après. C'est un film avec Bernard Giraudot et Bernard Allaire qui sont dirigeants d'entreprise.
qui ont un différent avec leurs ouvriers, un petit peu comme aujourd'hui, si tu veux, avec ArcelorMittal et Mittal. Ah, et voilà. Syndicat, voilà, voilà. Et donc, ils me demandaient de jouer le rôle de. Le syndicaliste. D'Edouard, là, le syndicaliste, là, qui. Bon. Mais à cette époque-là, bon, on connaît les syndicalistes. On copiait sur personne. Et donc, elle me demande ça. Je lui dis, écoutez, moi, je veux bien essayer, mais si jamais fait cinéma, c'est quand? Elle me dit, demain matin. Je dis, parfait, il est minuit et demi. À quelle heure vous me voulez? Elle me dit, à 6h30. Je lui dis, c'est parfait. Je dormirai l'année prochaine. C'est pas grave. Je lui dis, c'est pas. Et elle me dit, mais c'est absolument vous, il faut que vous veniez, etc. Je me pointe à 6h30, quai de Paludat. Il tournait dans une espèce d'usine, là. Il y avait 200, 300 figurants, des machines à café partout. J'arrivais pour la première fois sur un plateau de cinéma. Elle me reçoit et elle m'amène dans ma loge. Bon, je dis, c'est bien le cinéma. Une loge, des pépitos. Parce qu'en plus, en rigolant, elle m'avait demandé ce que j'aimais comme biscuit. J'avais dit les pépitos. Ils étaient là. Comme Britney Spears. Génial. J'aurais demandé un canapé rose, il n'aurait peut-être pas été là. Mais, la prochaine fois, je donnerai une liste, puis je passerai te voir. Et après, j'arrive ici, il n'y a pas de pépito, déjà, je note. Et elle me donne le texte, et un mec vient taper à ma porte, car il a frappé à ma porte. Et je vais ouvrir avec un manteau marron, Bernard Giraudeau, qui vient me dire, je viens de te donner un coup de main, parce qu'on m'a dit qu'on venait juste de te donner le texte. Ah oui. Et vient faire ce qu'on appelle une italienne avec moi, ouais. C'est-à-dire bon, faire une répétition, d'autant plus que j'avais 4 ou 5 paragraphes, il fallait se débecter, quoi. Bon. Donc, j'étais ravi de rencontrer ce mec. Après, pour l'anecdote, on est descendu, il faisait froid, hein. Moins 60, il y avait des loups qui passaient, tout, je te jure. Non, c'est pas vrai. Et on patinait sur l'eau bouillante. C'est pour te dire. Et donc, on est descendu, et on est allé boire un café au milieu des figurants qui se gelaient vraiment, tu vois. Ouais. Bernard Giraudeau, attends, j'ai eu la chance de faire plusieurs plateaux de cinéma par la suite, mais je peux te dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la notoriété qu'avait Bernard Giraudeau et qui n'auraient jamais fait ce qu'il a fait. Donc on a bu un café avec les gens, j'ai fait ce tournage, ça s'est bien passé, et là se sont enchaînés, donc c'était en 2002. Vidocq, oui. pour le cinéma, puis Se souvenir des belles choses avec Zabou Breitman, mm-hmm. un long métrage, et là ça a commencé tous les feuilletons. Alors je suis de tous les feuilletons. Donc tu as commencé par le cinéma, et après ouais. Télévision. Alors le théâtre, parce que là tu as fait quand même quelques pièces de théâtre, donc si tu veux on peut en discuter brièvement parce qu'on me fait signe qu'on est déjà très en retard. Je sais pas. Mais contre, tu en fais une actuellement à Bordeaux, Papy Boom. Alors est-ce que tu veux nous parler de Papy Boom? Alors Papy Boom, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite. Un rôle de composition parce qu'il est très jeune. Et moi je dis toujours dans Papy Boom, je joue le rôle de Boom. Mais non, on ne me croit pas. Et donc, j'ai la chance d'avoir ce rôle, quoi, le rôle titre. Parce que c'est un grand rôle, d'une pièce. T'as le premier rôle, non? Ah oui, c'est le premier rôle, le rôle titre. Et donc, c'est Stéphane Conneyrand qui a écrit cette pièce. Je la joue avec Didier Claveau, avec Anne-Caroline Larnaudy, Ania Bourvelec, et puis Laurence, je ne sais pas son nom, mais je ne connais pas bien son nom, on est en pleine répétition. La première aura lieu le 10 janvier. Donc, 10 janvier 2013. Au théâtre Le Victoire à Bordeaux. Voilà. Il y a déjà plein de réservations. Je crois même savoir que les premiers jours sont complets. Donc, voilà, c'est ce qui. Alors c'est tous les soirs? C'est quel soir? C'est le jeudi, le vendredi, le samedi, à 20h, à la Parisienne. Donc, à 20h, à partir du 10 janvier. Voilà. Et on peut réserver. Par internet, Théâtre de Victoire, ou alors Thierry Alonso, donc voici le téléphone. Oui, vous pouvez nous écrire sur Bassin People TV, on vous dira où vous aiguiller pour aller réserver. Et ça va se jouer jusqu'à quand? Alors, jusqu'à Cherche. Pour l'instant, on est parti jusqu'en juin, on verra après, quoi. Ah oui, quand même, vous êtes parti pour 6 mois d'entrée. 5-6 mois, et ils ne veulent pas entendre parler de tournée. Ce sont des gens, vraiment des professionnels du théâtre. Ils ne cherchent pas à vendre, à faire du fric autour de cette pièce, tu vois.
parce qu'on m'a déjà demandé, tu sais, à travers les infos Jojo, les gens chez qui on m'a enregistré, comme dans le Lot-et-Garonne, on est allé, oui. On va aller en Bretagne, on va faire Futuroscope chez notre ami Gérard Bourgeois. C'est ça. Et donc, il va vouloir que je la joue là-bas, c'est fatal. Oui. Et pour l'instant, on la joue au Théâtre de Victoire. Voilà. Donc au Théâtre de la Victoire, de la Victoire. Le Victoire. Le Victoire, au Théâtre ça de Victoire. Ça s'appelle Le Victoire, c'est rue des Augustins. Rue des Augustins, à partir du 10 janvier, où on peut retrouver Raymond et toute son équipe dans Papy Boom. Alors bah, pour les Bordelais qui ont ton âge, pas le mien parce que ça remonterait trop loin, les Bordelais, c'est l'ancienne salle qui s'appelait Dorémy, à Bordeaux, où il y avait des salles de concert rock, dont Noir Désir, No Sing, etc. Ah oui. Plein de concerts rock, c'était... c'est là où j'ai fumé ma première cigarette. Ouais. Celle qu'on fabrique. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je le conseille pas d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc c'est bien que le théâtre bouge à Bordeaux, parce que on dit toujours, quand on rencontre des gens, on leur dit, et qui vous disent, je vais à Paris passer le week-end. Ah bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas au Louvre? Ah non, je vais passer le week-end, mais samedi soir, je vais au théâtre. Quand on va à Paris, on va toujours au théâtre, voir une comédie. Et les comédies, on ne va pas les voir à Bordeaux. Ben oui, il faut aller les voir à Bordeaux. Donc tous ceux qui sont sur Bordeaux, qui passent dans la région, je vous conseille d'aller jeter un œil sur le théâtre Le Victoire à Bordeaux. À partir du 10 janvier, Raymond Delarua dans Papy Boom avec toute son équipe. Et le 11 janvier, c'est mon anniversaire. En plus, donc tous, on va aller... Tous chez Thierry Alonso, c'est trop petit chez moi. On fêtera tous l'anniversaire de Raymond le 11 janvier au théâtre Le Victoire. Ben vraiment, nous on se retrouve au théâtre parce qu'on va évidemment venir te voir dans les Affreux Jojo aux prochains enregistrements. Oui, mais c'est sur le Marseille encore. J'espère que l'année prochaine on prendra 1 million d'auditeurs de plus, c'est bien parti pour. Oh oui, je pense, oui. En 2 ans, 1,7 million, on arrive bientôt aux 2 millions. Ouais, ça va, ça le fait. On va friser les 3 millions, il y a tous les coiffeurs belges qui vont venir quand on va dire ça. Mais Philippe Bouvard va devoir prendre sa retraite parce qu'on va bientôt le dépasser. Et Drucker, il est mort Drucker, non? Non, il est encore en vie. Oh non, là, enregistré pas ça. Aujourd'hui, oui. Voilà. Raymond, merci beaucoup. Eh bien, merci à Marseille People TV, à toute son équipe, à tout le staff. Et merci à toi de nous avoir consacré un petit peu de temps. Et nous, on viendra te voir jouer au théâtre. Et avec plaisir. Même qu'on filmera ta prestation et qu'on la diffusera sur Marseille People TV. Pas tout de suite, parce que sinon, il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus d'intérêt au théâtre. Mais peut-être plus tard. En tout cas, on verra certainement te filmer. Avec plaisir. Une chose sûre, c'est qu'on viendra te voir. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On était sur Bastien People TV avec Raymond Delarua dans notre émission spéciale VIP. Raymond, on se retrouve très bientôt. On dit au revoir à tous nos téléspectateurs. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir. Ciao, Thierry.